tu sais. La teinture du bazin est habituellement réservée aux femmes. Mais Ahmed Sangaré a choisi de faire ce métier et s'impose à travers sa façon de faire. Maman est une teinturière venue apprendre l'innovation masculine du métier. Les gens préfèrent travailler avec les teinturiers qu'avec les teinturières parce qu'ils ont plusieurs mélanges de couleurs. La différence, c'est qu'il est plus facile de comprendre avec les hommes. Avec tout un collectif de 100 femmes, Ahmed Sangaré fait partie de ces hommes maliens qui tirent leur épingle du jeu dans la teinture. Marié et père d'un garçon, l'homme mature est installé à Lafiaboukou depuis 15 ans sur une installation de 120 mètres carrés. Par le fil des années, il a appris les caractéristiques de chaque textile pour choisir le traitement approprié. Le choix que j'avais fait, c'était le choix de la décoration textile. Et à partir de ça maintenant, les gens amenaient des bazins déjà teints que nous, et ensuite on fait l'impression là-dessus. Bon, il me suis dit pourquoi ne pas moi-même faire toute la procédure déjà, teindre les bazins et mettre les impressions là-dessus. Et là, ça me fera gagner beaucoup plus. À travers ses études à l'université, notre teinturier a amélioré ses procédés de fabrication. Outre les autres produits, l'usage de l'hydrosulfate fait partie de sa particularité pour fixer l'indigo. À chaque processus de la teinture, son petit soin, car seul un résultat impeccable lui permettra de fidéliser sa clientèle et de se spécialiser pour la vente en gros. Le précieux tissu teinté doit subir une dernière étape solide pour lui apporter une mise en forme et une beauté brillante qui attire les acheteuses. Avant l'enlèvement, une dernière vérification de la qualité et les soins du tissu s'impose. Madame Awali fait la vente de bazin entre le Mali et Dakar. Elle fait ses commandes chez M. Sangaré depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a la différence un peu? Il y a des modèles qu'on peut trouver chez M. Sangaré qui ne sont pas chez les autres teinturières. Ça différencie le marché un peu. En tout, Madame Lee achète 10 balles de bazin, une provision qui tient un mois sur le marché sénégalais. La saison oblige. Pendant les événements, quand même, c'est vraiment important. Hein, ça fait des dizaines et des dizaines quoi, de balles. En réalité, mais après les fêtes, 3 balles, 4 balles, on peut recevoir ça par jour. Après la conclusion de cette grosse affaire, place au calcul pour de nouveaux investissements afin de viser le marché européen.